attention. Depuis plusieurs années, ce tableau est relégué dans un débarras du presbytère d'Ilfurth. Il raconte une histoire d'exorcisme qui s'est passée dans la paroisse. Oui, et ben nous voyons un tableau qui se veut vraiment un tableau réaliste, basé sur véritablement les témoignages de l'époque. Donc au centre, bien sûr, le curé Charles Braille, qui était le curé d'Ilfurth dans cette deuxième partie du XIXe siècle. À ses côtés, les sœurs du Très-Saint-Sauveur de Niederbronn, qui étaient détachées dans la paroisse et qui se sont occupées des enfants burnaires. Donc on voit effectivement un des possédés qui est à terre ici et qui est libéré en fait du démon qui l'habitait grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Voilà, c'est cette Vierge Marie que montre ce personnage de droite, la Vierge Marie qui a été invoquée sous le titre de l'Immaculée Conception. Oui, eh bien, c'est l'histoire de deux enfants d'une famille très, très simple d'Ilfurth qui ont commencé à présenter des symptômes atypiques, amaigrissement, et puis très rapidement des phénomènes assez surnaturels. La scène d'exorcisme que représente ce tableau s'est déroulée dans cette chapelle de la Bornkirch en 1864. Les enfants étaient capables de lire les pensées, étaient capables de prédire l'avenir, étaient capables de téléporter des objets dans différents endroits, étaient capables de mouvements très brusques et très intenses, ce qui a fait penser à un moment donné qu'ils souffraient d'épilepsie. Les enfants parlaient d'une voix grave, d'une voix d'adulte, donc changeaient de voix. L'un était sourd, il était sourd depuis qu'il était possédé, sauf lorsque le démon s'exprimait. Le démon entendait, enfin, voilà. Mais l'enfant est resté sourd pendant les 4 ans et une fois exorcisé, il a retrouvé son audition tout à fait normale. Donc les démons parlaient en français, qui n'était pas la langue parlée des enfants, eux c'était l'alsacien. Ces événements se passent dans un contexte familial particulier, alors même que la révolution industrielle transforme la vie du village. Très vite, le père de ces enfants a essayé d'en tirer profit. La voie de chemin de fer venait de se construire, 7-8 ans avant. Il y avait une gare à Ilfurth, et donc on venait par wagon entier observer les phénomènes extraordinaires qui se déroulaient dans la maison des Bournaires. Et les deux enfants sont devenus pratiquement des phénomènes de foire. Ben, c'est les années du Second Empire, année 1865. À l'époque, Ilfurth est un bourg essentiellement agricole, mais déjà marqué un peu par le début de l'industrialisation. Voilà, Ilfurth, c'est un bourg qui se trouve le long de voies de communication importantes, le canal du Rhône au Rhin, la route à la transversale entre Altkirch et Mulhouse. Et donc c'est un lieu agricole, mais où se développe effectivement une activité industrielle, où va commencer une activité industrielle. Il n'est pas étonnant que les autorités civiles réagissent avec défiance devant ces phénomènes. Mais c'est aussi la réaction des autorités religieuses. Le curé de l'époque, Charles Braille, donc, s'intéresse à ce qui arrive aux enfants. Et c'est lui qui va effectivement mettre le doigt sur le mal. Hein, il va commencer à enquêter, à s'interroger. Et c'est lui, effectivement, qui va alerter son évêque. L'Église a très mal vu la chose. Beaucoup de prêtres ne pensaient pas du tout qu'il s'agissait de possession diabolique et donc pensaient plus à de la supercherie ou à de la mise en scène, etc. Se greffait là-dessus aussi une histoire politique. Il y avait le parti républicain de l'époque qui était contre l'idée d'un
d'une idée, comment dire, surnaturelle, hein, qui essaye de voir les choses avec pragmatisme, etc. Il y avait aussi je prends des termes qui ont été relatés par les curés, hein. Il y avait donc les libertins, comme ils les appelaient à l'époque, donc les libres penseurs, qui eux essayaient d'avoir eux aussi une vision rationnelle des choses. Et donc là, au niveau de la commune, il y avait l'instituteur, ou il y avait le brigadier chef de la gendarmerie, enfin, etc. Donc ces gens-là étaient très sceptiques par rapport à ces phénomènes-là, comme une bonne partie du clergé tout autour. Et il faut attendre 1869, donc 4 bonnes années, presque 5 ans après, pour que, au niveau de l'évêché, le cas de possession soit reconnu et que des exorcismes soient alors tentés. L'exorcisme des deux enfants se passe dans deux lieux différents. Thiébaut a été emmené à Schiltigheim, où il a été exorcisé début octobre 1869, avec succès. L'autre, fin octobre, a été exorcisé ici, dans cette chapelle. Le curé Bray, de Charles Bray, curé d'Ilfurt de l'époque, a donc procédé à l'exorcisme en présence d'un petit comité. Donc, c'est ici que Joseph Bourner a été exorcisé en 1869. Et donc, en souvenir de cet événement, nous avons placé, lors de la rénovation de l'église dans les années 1980, ce petit ex-voto qui reprend un texte qui figurait là sur l'arc central et qui dit que Joseph Bourner, possédé par le démon, a été libéré ici, dans cette chapelle, sous l'invocation de la bienheureuse Vierge Marie. Pour le jeune Joseph, l'exorcisme est difficile et ne se déroule pas comme prévu. L'exorciste donc a récité plusieurs prières et chaque fois a donné ordre au diable de quitter le corps de l'enfant, et chaque fois il a refusé. Et donc l'enfant se débattait, il a fallu que plusieurs personnes le maintiennent. À Schiltigheim, on parle de camisole de force, vous voyez, donc, et ici des hommes bien costauds ceinturaient l'enfant. Donc l'enfant se débattait, le diable ne voulait pas quitter le corps. À plusieurs reprises, hein, sous l'invocation des saints, de Dieu, enfin, etc., le diable a refusé, enfin bon, et ça a duré plusieurs heures. Et ce n'est que à l'invocation de la Vierge, tout à la fin, que le diable a cédé et qu'il est parti. Donc ça a été un combat, en fait. Justement, il y a une résistance à cette libération. Et les prières traditionnelles de l'exorcisme n'aboutissent pas. Et c'est vraiment, le tableau nous l'a montré, à l'invocation du nom de l'Immaculée Conception, que l'exorcisme va aboutir et qu'il va avoir cette libération. Entre surnaturel et raison, comment interpréter cette histoire ? Je crois qu'on sera toujours face au phénomène surnaturel et extraordinaire, tenter d'apporter une explication rationnelle en disant effectivement à qui profitent finalement ces événements. Pour le prêtre que je suis, je crois à l'existence du diable et en l'existence de démons. Comment se manifeste-t-il, peut-être d'une manière des fois moins tonitruante que lors de cette affaire des possédés d'Ilfurt? Franchement, je ne pense pas que l'on puisse parler du démon dans ces affaires-là, ou du diable, ou d'une intervention surnaturelle. Je pense que aujourd'hui la médecine est capable d'expliquer certains de ces phénomènes, pas encore tous, mais je pense qu'avec les progrès de la médecine, de la parapsychologie, de la psychiatrie, etc., de la neurologie aussi, on arrivera, je pense, d'ici quelques décennies, à pouvoir expliquer ce qui s'est passé ici. À mon avis, c'est vraiment du domaine médical, plus que du domaine paranormal. Par contre, ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, c'est que l'exorcisme qui a eu lieu a été très difficile. Hein. Le diable a vraiment fait de la résistance, il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de prières, pour réussir à le faire quitter le corps des enfants. Mais l'exorcisme a réussi. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus eu aucune manifestation extraordinaire autour de ces enfants-là. Malgré la mort prématurée des enfants, a-t-on pour autant, un demi-siècle plus tard à Ilfurt,
oublier cette histoire. C'est un événement qui est encore très présent pour différentes raisons. Tout d'abord, Pierre Bellemare, il y a quelques dizaines d'années, on avait fait un sujet et donc, qui était passé sur TF1 à l'époque. Hein, et donc, ça a relancé tout un regain d'intérêt par rapport à cette affaire-là. Donc là, déjà, dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, premier coup de projecteur sur cet événement-là. Et ensuite, avec la sortie du film L'Exorciste, on a également reparlé de cette affaire-là, puisque certains événements qui se sont passés à Ilfurt ont été repris dans le film et ont été mis en scène dans ce film-là. Donc là aussi, encore un coup de projecteur sur cette affaire-là. Et puis, plus récemment, on est pas mal sollicité en mairie par des gens. Il y a un regain d'intérêt pour ces phénomènes-là, pour le mysticisme. Et donc, en mairie, on est relativement sollicité par rapport à cette affaire-là. Donc, on sent, là, depuis 3-4 ans, un regain d'intérêt pour... je pense que Internet y est pour beaucoup aussi. Hein. On en parle encore. Il y a peu de temps, un spectacle, d'ailleurs, a eu lieu sur... un jeune comédien originaire d'Ilfurt a fait un spectacle sur cette histoire des possédés d'Ilfurt. On en parle souvent aujourd'hui, il y a encore un peu un élément du folklore, de la légende. Avec une vision effectivement quand même plutôt rationaliste de la chose. Au cœur du village d'Ilfurt, on trouve aujourd'hui encore des traces de cette histoire, notamment avec cette colonne dédiée à la Vierge Marie. C'est donc la puissance de la Vierge hein, sur les forces du mal. Vierge qui est... au-dessus d'un monument imposant, hein, de plus de 10 mètres de haut. Et ce qui est d'ailleurs remarquable aussi, c'est que si vous vous promenez dans Ilfurt, vous vous rendrez compte que par-ci, par-là, au-dessus des portes d'entrée, se trouve une petite niche avec une vierge. Ça a été d'ailleurs relevé par différents historiens au courant du XXe siècle. Et je me demande si cette dévotion à la Vierge, marquée par les Ilfurtois, donc devant leur maison, devant leur entrée de porte, n'est pas dû à cet événement et n'est pas dû justement lié à cette statue, à l'érection de cette statue. Espérons que la Vierge Marie triomphe aujourd'hui encore du démon dans le village d'Ilfurt.